le conditionnel passé. On forme le conditionnel passé grâce aux auxiliaires être et avoir, mais conjugué au conditionnel présent et suivi du participe passé. Mais ça ressemble à quelque chose. Ça ressemble à quoi? Est-ce que tu es là avec moi? Ça ressemble à quoi? Tu as déjà vu d'autres temps verbaux où on a besoin du verbe être ou avoir plus un verbe au participe passé. On connaît minimum deux autres temps qui sont le passé composé et le plus que parfait. Le plus connu, c'est le passé composé parce que c'est le grand choc des croissants. C'est le moment où les croissants deviennent des vrais activateurs de la langue française, où ils vont vraiment vivre le français. Et c'est ce qui sépare les croissants des activateurs parce qu'il y en a qui vont rester là, mais ce n'est pas ton cas. Tu te souviens que je devais choisir quels étaient les verbes qui étaient conjugués avec « être », quels étaient les verbes qui pouvaient être conjugués avec « avoir » et je devais comprendre comment je forme le participe passé qui est en fait le verbe que je veux vraiment conjuguer. Et alors, qu'est-ce que je fais? Tcham, 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 je vais te le montrer. Toutes les règles du passé composé s'appliquent au conditionnel passé aussi. Par exemple, le choix entre être et avoir. Petit rappel, nous avons une liste de 15 verbes de déplacement qui peuvent être conjugués avec être. Quelques-uns, passer, rester, aller, venir, entrer, sortir, naître, mourir. Quels sont les autres? Écris ici dans les commentaires. Et tous les sautes, ah pardon, et les verbes pronominaux, ce sont les verbes où on dit « je me lave »,« je m'appelle », »,« tu te lèves », »,« tu te maquilles », »,« elle se prépare », etc. Donc, l'action va sur le propre sujet. Tous ces verbes sont conjugués avec « être ». Les autres verbes, tous les autres, la grande majorité des verbes, sera conjuguée avec le verbe « avoir ». Encore un point qui est identique au passé composé, c'est l'accord du participe. En fait, j'en ai même oublié un. La formation du participe passé, c'est la même, c'est le même participe passé que nous allons utiliser et que nous avons utilisé au plus que parfait et au passé composé. Et qui est en fait le verbe que tu veux conjuguer. L'accord du participe passé, c'est-à-dire est-ce que je vais mettre une marque de féminin ou de masculin au participe passé, oui ou non? Est-ce que je vais mettre une marque de pluriel ou je la laisse singulier, oui ou non? Donc, c'est la même règle, les mêmes règles qui s'appliquent au passé composé. Pour l'instant, je ne vais pas les répéter. La place de la négation, je ne sais pas si tu te souviens, mais au passé composé, quand je parle par exemple, quand je dis une phrase comme « je suis venue hier ». Si je la mets au passé composé, à la négation, dans la forme négative, je vais dire « je ne suis pas ». Donc, la négation « je ne suis pas venue hier ». La négation va entourer le verbe auxiliaire. Ici, pour le conditionnel passé, c'est la même chose. La négation entoure le verbe auxiliaire. Et la place des adverbes. Adverbes, ce sont les choses qui montrent une qualité, qui imprime la qualité du verbe, par exemple rapidement, concrètement, etc. D'accord? Donc, j'avance un petit peu pour te montrer des exemples. Donc, des exemples de conditionnel passé. Je ne me serais pas trompée si tu n'avais rien dit. Je ne me serais pas trompée si tu ne m'avais rien dit. Il ne serait pas marié s'il n'y avait pas eu ce voyage. Pardon, c'était à l'affirmative. Il se serait marié s'il n'y avait pas eu ce voyage. D'ailleurs, il n'y avait pas eu, c'est un conditionnel aussi que je n'avais pas marqué. On aurait tout compris si tu nous aurais expliqué. On a toujours deux conditionnels. Tu nous aurais expliqué, c'est un conditionnel aussi. Elle se serait lavé les mains s'il y avait de l'eau. Ici, non. Il y avait, c'est imparfait. Elle se serait rendue compte de leur erreur. Tu n'aurais pas fini le repas si tu savais qu'il y avait un dessert après. Donc,
Qu'est-ce qui est important et que je n'ai pas marqué ici? Il faut bien connaître le verbe être au conditionnel. Qui devient donc je serai, tu serais, je vais l'écrire et tu vas le voir bientôt. Il ou elle serait, nous serions, vous seriez, et il ou elle au pluriel serait. Voilà le verbe être, tu peux le noter. Le verbe être au conditionnel présent. Il va être utile pour former tous les verbes de déplacement de la liste que tu connais du passé composé. Tu la connais ? Hein ? Tu la connais ? Et aussi, il va être utile pour tous les verbes pronominaux, donc dont l'action va sur le propre sujet. D'accord ? Ensuite, je vais mettre le verbe avoir. Pendant que tu notes dans ton cahier, j'aurais, tu aurais, il aurait, nous aurions, vous auriez, elles auraient. J'ai toujours mis au pluriel les femmes, parce que les femmes sont plurielles. Verbe avoir au conditionnel présent. Donc, j'aurais, tu aurais, il aurait, nous aurions, vous auriez, ils auraient. OK ? Donc, ces deux verbes vont être essentiels pour toi. Mais le plus important, c'est que tu te mettes en action, donc que tu utilises ce que tu as appris, que tu l'utilises à l'écrit. Donc, commence par l'écrit, parce que comme c'est quelque chose qui exige un peu que tu penses, que tu réfléchisses, il est important de commencer par l'écrit. Et ensuite, commence à prononcer ça à voix haute. Et si tu as l'occasion de parler à des gens, tu vas utiliser ça aussi. Tu vas essayer de raconter des hypothèses, faire des conditions, raconter le passé, le futur dans le passé, ce genre de choses. C'est ça qui va vraiment marquer la différence entre les clos sueños, clos sueños et toi qui va activer ton français.